Ouais, c'est bon. Ouais, c'est moi, coach Pichou, moi-même. Je suis de retour parce que je n'aime pas ce que l'autre dit là-bas. Le Fennec, j'explique qu'est-ce que c'est. Parce que l'autre là-bas, il n'a pas compris. Le Fennec, c'est comme dit, il n'a pas mis les grands. J'ai déjà dit, je redis, je vais encore dire. C'est pas la pile à. C'est pas la pile à Hamadika. Coach Pichou, faut pas commencer les. La sélection des léopards du Congo. Nous sommes des léopards. C'est un animal difficile à apprivoiser, mais quand même. Parce que l'Algérie, c'est une équipe nationale qui fait des dangers. Huitième de finale de la Coupe du Monde. On a perdu contre l'Allemagne, on va revenir. Sauvage peut-être, mais quand même. Le pelage, il faut être un félin. Voilà, nous sommes des félins sur le terrain. Nous sommes des félins, nous griffons la balle. On a perdu la Coupe des Nations d'Afrique parce que l'arbitre, c'est un tricheur. Parce que l'arbitre, il vient de, je ne sais pas de quel pays. C'est un arbitre, il a pris la sacoche de l'argent. On peut marquer des buts, il ne sait même pas qu'il y a buts. Heureusement que le public est là pour célébrer les buts. Sinon, même l'arbitre lui-même ne sait pas qu'il y a buts. Je ne sais pas, des fois il y a des triches, des fois il n'y a pas des triches. Des fois il y a Karl Medjani qui donne des pénaltys, il n'y a pas pénaltys. Des fois il y a Bouguera qui va arrêter, j'espère, la carrière parce que Bouguera, ça y est, c'est vieux. Il a l'âge de mon grand frère. Gars, ça marche comme ça dans les pays. Le Brésil de l'Afrique, c'est le Congo. C'est nous-mêmes. Ouais, c'est bon. Nos sélections vont sélectionner des grands joueurs. Avec Zidane qui va venir assistant de moi. Oui, Zinedine Zidane, Zinedine Yazid, c'est mon cousin. Je fais ce que je veux, quand je veux. S'il y a un problème, tu dis à moi, je t'attrape. Wallah, je rigole pas avec toi. Je t'attrape. C'est pas la. Hey, oh, t'es fou ou quoi? C'est moi, coach Pichou. Parce que l'autre coach là-bas, Rafik, je ne comprends pas même ce qu'il parle, ce qu'il dit. C'est pas la peine, tu dis à moi, c'est pas la peine, j'ai pas compris. Hein. Puis, c'est pas vrai ça! Oh! Il est fou ou quoi lui? Il dit de moi n'importe quoi, vraiment n'importe, c'est un aventurier. Ça, c'est moi là, c'est n'importe, quelle audace! L'Algérie, on va gagner tous les matchs. On va gagner la Coupe du Monde bientôt. Je sais pas c'est quand, mais bientôt il y a la Coupe du Monde. Un CAN, on va gagner aussi. On va gagner un match amical. Parce que les amicales, c'est pas amical, hein. C'est la bagarre! C'est pas la peine! Quelle audace de dire que son équipe c'est la meilleure équipe du monde. Nous nous sommes arrivés troisième. Troisième. Moi, comme il balle, ça, tout ça. Troisième place. C'est important. C'est important. Et avec la revanche de Côte d'Ivoire. Et on va voir si l'équipe nationale Congo, qu'est-ce qu'il va faire. On va voir. Lui, il s'est fait éliminer par une équipe. Il ne sait même pas c'est qui. Il demande des revanches. Mais est-ce que même l'équipe veut jouer contre toi pour que tu demandes des revanches? Hein? Ça, c'est pas bon. On verra bien qu'il rigolera vers moi, vers demain. Voilà. Nous avons des grands joueurs. Hein. Je vais sélectionner des grands joueurs. Blaise Matuidi, il va revenir jouer avec le Congo. Rio Mavuba, il va venir jouer avec le Congo. Christian Benteke, il va venir jouer avec le Congo. Romelu Lukaku, c'est mon petit. Je vais le faire venir au Congo. Tous ces joueurs-là, ils vont revenir au Congo. Donc, on va faire des différences. Steve Mandanda, ils ne veulent pas le faire jouer en équipe nationale. En France, on va le faire jouer dans l'équipe même. Son petit frère, il est avec nous, parfait. Il s'appelle Parfait. Hein? Steve, c'est Steve. Attention. À bon entendeur. Comprenez mon émotion, quoi. Ouais, c'est bon. Coach Pichu. Ngurtage. Ouais, c'est bon. Jazz.